Mais je vais comme... Bonsoir tout le monde, ici Newake, donc pour une soirée dédiée donc à la Mega Drive et à ses jeux d'aventure. Donc je pense que ce soir ce sera le dernier live dédié à la Mega Drive parce que on a quand même fait le tour. On a fait les jeux de sport, on a fait les jeux de course, on a fait les jeux de plateforme. Et puis enfin, il y a plein d'autres que j'ai oublié quoi, mais bon, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ce soir, c'est un épisode qui est dédié donc aux jeux d'aventure. J'ai fait une petite sélection donc de 6 jeux. On va essayer de faire à peu près, je pense, un quart d'heure, 20 minutes par jeu. Peut-être qu'on s'attendra un peu plus sur certains jeux, moins sur d'autres. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous êtes prêts. Donc on est parti. On va commencer par du lourd. Vous voyez le logo de Climax s'afficher. Des jeux de Climax sur la Mega Drive, il y en a eu de mémoire qu'un seul. Et donc c'est Landstalker et les trésors du roi Nol. Donc qui est sorti en octobre 1993 pardon, chez nous. Qui est donc développé par Climax et donc qui a été édité par Sega. Alors, juste quelques petites infos sur le jeu avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour savoir ceux qui ne le savent pas, donc c'est un jeu d'aventure que je vais vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, en fait, ce qui est pas mal, c'est que on a déjà le choix de 4 sauvegardes. Donc en fait, quand vous étiez plusieurs à la maison, c'est pas mal. L'intro du début est plutôt longue. Donc en fait, on va incarner un héros qui s'appelle Ryle. Donc là, c'est pas moi qui joue, hein. Donc ça joue tout seul. Donc c'est parfait parce que ça va me permettre de vous parler un peu du jeu. Donc Ryle, en fait, c'est juste un chasseur de trésors, hein, donc qui cherche des trésors. Donc là, c'est les trésors du roi Nol. A savoir que une suite était prévue en 1997. Donc ça s'appelait Landstalker et le cœur du diamant. Mais au final, malheureusement, j'ai envie de dire, ça s'est pas fait. Par contre, il y a un manga qui est paru au Japon, donc qui reprenait la trame de l'histoire principale. C'est un truc que j'ai appris en fait en faisant des petites recherches sur le jeu. Il faut savoir que le jeu, je le connais par cœur. Mais voilà, il y a des petites infos que je connaissais pas. À savoir également que le jeu, normalement, il devait y avoir un remake qui devait sortir sur PSP dans les années 2005-2006. Ça avait été présenté à un salon de jeux vidéo, je me demande si c'était pas le TGS d'ailleurs par hasard. Malheureusement, en fait le jeu donc devait être repris en HD, hein, qui devait garder donc la 3D isométrique du jeu. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Moi j'en étais très triste parce qu'à l'époque j'avais une PSP. Et malheureusement j'ai pas pu. Enfin j'ai pas pu. Personne n'a pu avoir accès à ce. Comment dire, à ce remake, puisqu'il n'a jamais vu le jour, malheureusement. Donc voilà, là, nous, on est parti récupérer donc la statue de Gypta, et le vieux, là, nous a donné 2000 or, et donc maintenant, on va pouvoir se reposer, bien sûr, et là, non, voilà, il y a donc une petite fée qui s'appelle Friday, qui veut qu'on l'aide. Et donc là, il va y avoir Kayla et les deux autres, je me souviens plus, on va voir tout de suite leur nom. Donc Kayla Inc, je crois, et puis Wally, voilà. Donc Inc et Wally, donc qui sont à la recherche de cette petite fille, voilà, parce qu'elle a vu les trésors du roi Nol.
Et bah, elle a vu donc elle a vu les trésors du roi Nol, et ce sont des trésors en fait qui sont recherchés par tous les chercheurs de trésors. Et nous, on est un grand chercheur de trésors, et donc vous allez voir que on va accepter de l'aider. Il faut savoir que Ryle est quelqu'un de très égoïste. C'est-à-dire que le mec, voilà, du moment que ça va dans son sens, c'est bon. Mais si ça va pas dans son sens, il fait pas les choses en sorte. Voilà. C'est pour ça qu'il va aider Friday, parce qu'elle a vu les trésors du Ranol, et que bah, tout simplement, Ryle convoite ses trésors. Donc voilà, Kayla, Ink et Wally sont partis. Donc là, voilà. Donc elle s'appelle Friday, elle est pas petite. Petite anecdote également sur le studio Climax. Vous avez pu voir en fait au tout début, Climax reprend son logo, c'est Friday, donc reprend la petite fée. Donc c'est de là que vient en fait le logo de Climax, de Friday, donc qui est une petite fée. Alors c'est une petite fée, mais elle a des ailes noires quand même. Généralement les fées en fait elles ont des couleurs plutôt je veux dire colorée vive. Là, elle a quand même des ailes noires, elle est habillée en noir. Donc, on le sait pas dans l'aventure, quoi. Mais je me demande si c'est pas une fée, alors pas toute innocente, en fait, si vous voyez. Donc là, direct, hein, il dit, mettons les choses au clair, je ne suis pas ton chien. Donc, il est assez directif quand même, Ryle. Donc là, on prend en vol sur un magnifique aigle qui vous le remarquez, a des, comment dire, des lunettes. Donc, vu qu'il vole vite, hein, c'est pour lui protéger ses yeux en fait, hein, comme moi j'ai des lunettes, hein, vous voyez. Donc voilà, là, donc c'est donc comme je vous dis développé par Climax. Et donc là maintenant, ça va être notre tour. Donc j'espère que tu te trompes pas. Donc là, en théorie, on est censé être pas trop loin en fait on est censé être pas très très loin des trésors du roi Nol. Donc vous pouvez également donc liker, partager et commenter ce live, hein, je vous répondrai en direct. Donc là, on voit que les 2000 ors qu'on a gagnés grâce à la statue de Gypta, et ben, ils ont été utilisés pour comment dire, bah, pour payer l'oiseau, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors juste un instant, ouais, je vais juste faire un petit truc. Et voilà. Allez, on est parti. Donc, partons pour nos aventures. Donc, alors, pour les touches. Donc, avec le B, on saute. Et avec le C, on donne des coups d'épée. Et avec le A également, on peut donner des coups d'épée. Et donc là, vous voyez, c'est une vue. C'est une 3D isométrique. Donc, c'est-à-dire que le personnage reste toujours au centre de l'écran. Donc, on le verra peut-être pas, mais on peut voir. Alors, attendez, on va voir les petites inscriptions ici. Malheur et mort à ceux qui pénètrent dans ce pays. Donc vous voyez, en haut, on a des cœurs. Donc il y a 4 cœurs. Donc ce sont ce qu'on appelle des réserves de vie. Donc là, on en trouve une. Ces réserves de vie vont nous permettre d'augmenter donc nos cœurs. Mais également, plus on a de réserves de vie, et en réalité, plus on va pouvoir taper fort. Voilà, c'est un système que j'aime bien, moi, justement. Dans ce jeu, c'est plus on a des réserves de vie, plus on tape fort. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va pouvoir trouver de nouvelles épées qui vont nous permettre de nous rendre plus forts. Pas que des épées, hein, on pourra trouver des pièces d'équipement. Donc là, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme pièces d'équipement? Donc on a épée, plastron, bottes et aucun. Donc là, on a l'emplacement pour 1, 2, 3, 4 objets. Donc en tout, il y a 16 objets qui vont nous permettre soit d'augmenter nos statistiques, soit... Voilà, vous verrez. Ou pas. Donc là, bon, c'est une énigme plutôt simple. Si vous faites le jeu grâce... Moi, je pourrais pas vous le montrer, mais si vous faites le jeu, vous verrez qu'il y a des énigmes qui sont beaucoup plus corsées que celle-là. Donc là, on se balade tranquillement dans ce qu'on peut appeler le premier donjon. Qui vous verrez en réalité n'est pas un vrai donjon. Là malheureusement je peux pas rentrer. Et là il y a la boule. Donc je peux ni sauter dessus. Donc elle me pousse forcément. Donc en fait je vais être obligé donc de tomber. Là on n'a pas le choix.
dans l'histoire. Donc là, voilà, on tombe sur un radeau. Là, on voit des sortes d'ennemis qui sont là. Bon, je peux vous le dire, hein, en réalité, ce donjon, c'est le dernier donjon du jeu. Donc, Friday n'était pas si mauvaise que ça, puisque elle nous a vraiment hein, conduit juste à côté des trésors du roi Nol. Mais malheureusement, pas de chance. Il y a une boule qui nous a poussé sur le petit radeau. D'ailleurs, bizarre, hein, comme par hasard, le petit radeau était là. Bon, voilà, c'est voilà, faut bien que l'histoire suive son cours, quoi. Et donc voilà, là on tombe. Et donc Farah nous trouve. Farah, j'ai envie de dire, c'est une sorte de petit. Enfin, je sais même pas ce que c'est en fait. C'est un monstre. Enfin, c'est un ours, je dirais. Il dort encore, il n'avait pas l'air trop fainéant. Là, on est en train de dormir. Voilà, vous avez vu la chute qu'on a fait. On a fait une chute plutôt impressionnante. Donc, on doit continuer notre chasse, en effet. Donc, on va essayer de faire au moins le premier donjon. Alors, il y a des réserves de vie qui sont cachées dans ce village. Oh, je sais plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Je me demande, tiens, si... Non, je vais éviter. On va directement partir à l'aventure. On va faire le premier donjon. Et ensuite, voilà. Donc, les gens de Gumi sont venus, ils ont cassé le pont. Le pont est cassé, ils doivent être la proie d'esprit maléfique. Il faut mettre le maire au courant. Donc voilà, donc c'est pas ce pont-là hein, qui est cassé. Mais c'est le prochain. Donc là, en fait, il y a des petits arbres. En fait, cet arbre-là, pour l'instant, il est vide. Mais plus tard, cet arbre permettra, en fait, de se téléporter. C'est-à-dire qu'à un moment, on va sauver un arbre, le père, entre guillemets, des arbres. Et dès que il va nous dire que, voilà, ses fils pourront nous aider. Donc là, vous voyez, ça va être bloqué ici. Voilà, on peut pas, il y a une liane. Donc en fait, on va libérer l'arbre et ses fils vont pouvoir nous aider en nous téléportant. Bah, c'est beaucoup mieux hein, parce que on va pouvoir se balader. Là, c'est ici qu'on est tombé hein, tout à l'heure. Donc les trésors du roi Nol sont vraiment pas loin, mais vous verrez que, enfin, vous le verrez tout au long de l'aventure, vous faites un tour entier en fait. Donc vous voyez, je crois que c'est lui. Lui, il est là. Il est positionné ici. Tout à l'heure, il sera positionné là. On ne sait pas pourquoi. Donc je vais essayer de... Donc ça c'est les premiers mobs qui sont vraiment nuls. Ah, ils sont vraiment pas super super forts. Donc j'ai besoin d'une clé, je me demande si la clé est pas là-haut d'ailleurs. Oula. Alors pour moi, ce jeu est clairement le meilleur. C'est le meilleur jeu d'aventure donc de la Mega Drive. Il faut savoir qu'à l'époque, il a été créé, développé, tout ce que vous voulez, pour concurrencer un jeu très connu de la Super Nintendo, puisqu'à l'époque, la Mega Drive et la Super Nintendo, on va dire, se faisaient concurrence. Hop, voilà. Donc à l'époque, la Super Nintendo, on va aller là direct. La Super Nintendo et la Mega Drive se faisaient concurrence. Sur Super Nintendo, il y avait un jeu excellent qui s'appelait Zelda Link to the Past, qui est vraiment, pour le coup, il était vraiment génial, hein, puisqu'il faisait suite à Zelda 2, qui était sorti donc sur NES. Et donc c'est en réalité c'est le Zelda 3, quoi, qui était vraiment génial. Et bah, il fallait bien un concurrent et Landstalker a été créé pour ça en fait hein. Donc là on a activé un petit interrupteur qui va en fait nous permettre de d'aller à un endroit qui n'était pas accessible tout à l'heure. Donc c'était l'endroit qui est là. Ah bah non, ça va nous permettre d'y aller. Voilà. Donc là c'est pas chronométré je crois, parce qu'il y a des fois des interrupteurs qui sont chronométrés. Donc il y a des fois faut vraiment se dépêcher. Donc ce premier donjon n'est pas hyper long, mais vous verrez que si vous faites le jeu, il y a des donjons qui sont beaucoup plus longs,
beaucoup plus dur. Alors par curiosité, moi j'ai regardé le speedrun en TAS, donc en Tool Assisted Speedrun. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le TAS, donc c'est un Tool Assisted Speedrun. Donc en gros, c'est on fait un speedrun et on est assisté de, enfin on a des outils qui nous aident. Donc par exemple à ralentir le nombre de frames par minute, donc de faire même du limite du frame par frame. Donc Prospero, les garçons bruyants, que désirez-vous? Eh ben, bon déjà on a envie d'avoir ta réserve de vie, hein, pour commencer. Et ensuite, donc vous venez à la recherche des trésors du roi Nol, je regrette mais je ne sais rien à ce propos. Cela dit, j'ai trouvé un fragment d'un document qui est traité de la légende du roi Nol. Je suis tombé dessus l'autre jour, comment c'était déjà? Il y a fort longtemps, à l'époque du roi Nol, une armée débarqua sur cette terre. Mais pourquoi ici? La guerre était sur le continent. À quoi une île peut-elle servir aux militaires? Ils ont dû venir pour protéger un trésor auquel le roi tenait beaucoup. Mais oui, c'est ça, Prospero. Attendez, attendez, rien ne permet de supposer qu'il protégeait les trésors du roi. C'est possible, mais j'ai le sentiment que c'est ça qu'il faisait. Je consulterai mes livres, passé tout à l'heure, j'aurai peut-être quelque chose. Donc là on s'en va, et donc on va retourner au village, puisque là le village a été attaqué par les gens de Gumi. Et parce qu'à la base les deux villages sont amis, et là en fait bah, y a une sorte de rivalité qui s'est passée. Donc je disais, j'ai regardé le speedrun de ce jeu en 100%. Le mec a fait le jeu en 2h25 et franchement je vous invite, ceux qui ont fait le jeu, je vous invite à regarder ce speedrun même d'un œil si vous ne le regardez pas tout le temps, parce qu'il est vraiment impressionnant. Le mec fait des trucs de dingue, mais vraiment il fait des trucs de fou. Il a des objets qu'on ne peut pas avoir tout de suite, notamment il a les bottes de fer je crois. Il les a très tôt. Il fait un truc de fou en fait. Vous voyez ce que je vous disais, il est là maintenant. Mais bon, on peut pas le taper. Donc voilà, le premier donjon est déjà fini. On est à 23 minutes de live, donc ça va plutôt bien pour l'instant. On est à 23 minutes, sachant que il y a eu à peu près 7 minutes d'attente, plus on va dire 2 minutes de blabla. Donc j'ai encore le temps. J'ai encore un petit peu de temps. Et puis de toute façon, c'est... Ah, je sais pas si c'est mon jeu préféré de la Mega Drive. En tout cas, il est dans mon top 3. Et il y aura ce soir, de toute façon, on va jouer aux jeux qui sont dans le top 3, dans mon top 3 à moi. Donc mon top. Ouais, je pense que mon top. Oh, c'est dur de. Voilà, bon, bref, il s'est produit une tragédie. Les voyous de Gumi sont venus enlever Pharah. Ah, putain, ils ont enlevé Pharah. Par contre, ça c'est la merde et on va le suivre. Voilà. Donc il va nous raconter sa vie, hein. Voilà. Donc voilà, on doit aller sauver Pharah. Alors, il y a un mec. Le mec, qu'est-ce qu'il fait avec son quand il fait son Tool Assisted Speedrun, avec la poule, il arrive en fait à faire en sorte de la ramener ici, comme ça. Et ensuite, il passe à travers les. Enfin. Je me demande s'il met pas la poule sur le chien ou s'il met pas le chien sur la poule. Et ensuite, il arrive à passer au-dessus des arbres ici. Alors que ces arbres, normalement, on peut les couper qu'avec la hache, je sais pas quoi. Donc bref, le mec fait des trucs de dingue. C'est un ouf. Franchement, il a fait ça en 2h25. Je lui tire mon chapeau, c'est un immense respect. Un immense respect à ce qu'il a fait. Donc là, ils ont réparé le... Ils ont réparé le... Comment dire? Salut Hassan. Donc, ils ont réparé le pont. Et donc, maintenant, eh ben, on va pouvoir aller sauver... on va pouvoir sauver Pharah. Donc, je pense pas que je vais faire tout le donjon, parce qu'il est... Il est un peu long quand même. Mais en fin de... Alors, juste avant de changer... Donc vous avez vu au début, on a vu Kayla, Ink et Wally. Je vous montrerai une petite scène cachée du jeu.
qui n'est visible en fait que dans la version, alors je crois japonaise, où c'est carrément une... Alors je sais plus si c'est dans la version japonaise, ou si c'est une scène qu'ils ont fait mais qui a été juste coupée en fait. Faut savoir qu'il y a des différences aussi entre la version japonaise et européenne. Notamment, en fait, il y a plus tard en fait, dans le jeu, vous pourrez faire l'acquisition de d'un grimoire. Et ben en fait, le grimoire dans la version japonaise, c'est en fait un livre érotique, on va dire. Donc petite blagounette en fait hein, des développeurs. Et également, il y a une statue de Bunny. Il y a une statue en fait avec Bunny le lapin quoi. Ah merde, tu mords. Ah bah merde. Merde. Bon, c'est pas grave. Donc on va pas recommencer. J'ai oublié d'acheter des équiquets. Je suis con. Oh le con. Oh le con. Mais quel con. C'est pas grave, je vais pas pouvoir vous montrer ça. Donc on va déjà stopper. On va déjà stopper le jeu. Donc on va changer de jeu. Ah, je voulais vous montrer des petits trucs. Bon, c'est pas grave. Voilà, faut savoir qu'après il y a eu des petites différences. En fait, il y a eu des petites pas des petites différences, mais si par exemple la pierre oraclette est changée, le gâteau, on peut avoir un gâteau à la fraise qui est autre chose. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais je voulais vous montrer un truc. C'est donc comme je vous ai dit, une scène qui a été coupée et qui est vraiment intéressante. Donc je vais vous la mettre en grand écran et je vais vous la laisser, vous allez la découvrir en même temps que moi. Donc là en fait c'est un peu plus loin, on est à Mersator en fait. Donc là il y a Ink et Wally. Donc Mademoiselle Kala est belle. Et Ink dit la même chose, vraiment belle. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu soit amoureux, soit je sais pas, mais... Et donc là, on va dans la douche, dans son bain. Elle prend son bain, carrément, hein. Donc, faut savoir que c'est une ennemie, quand même, hein. Donc là, c'est la deuxième version, quand on refuse en fait. Et donc là, on se fait défoncer par Ink et Wally. Donc de toute façon, dans les deux cas, on arrive dans la... On arrive en fait dans la voir toute nue, ça t'a troublé. Donc voilà. Donc ça c'était pour la petite anecdote. On va changer de jeu, très bien, puisque ça fait 20 minutes déjà. On va... Hein ? Ah bah oui, merde, c'est ça qui a commencé. Hop là. Donc c'est pas ça qu'on voulait. Donc on va déjà changer de jeu. Et on va passer à un autre jeu qui, pour moi, fait partie de mon top 3. On est parti. Donc, développé par Nextech et édité par Sega. Donc, je vous laisse la petite intro. Et donc le jeu, je vous laisse. Ah, la musique en plus, la musique est vraiment bien. J'adore les musiques de ce jeu. Le temps passe. Hein. Puis un changement se produit dans le monde. Que la lumière soit. Ça doit vous donner des petits indices sur le jeu quand même déjà. Hein. Au signal de cette voix, la lumière jaillit sur tout le monde.
voulez que je sois honnête avec vous? J'ai jamais vu cette intro en fait. J'appuyais toujours Start en fait, et j'ai jamais vu cette intro. Donc je suis vraiment heureux de la découvrir en même temps que vous en fait. Là dans Landstalker, vous êtes obligé de la regarder l'intro. Mais là, celle-là, je l'ai jamais vue. C'était beau pour l'époque, hein. Ah, ça y est, le nom du jeu va arriver. Tu vas voir, Jérémy. Un petit peu de patience. Donc là, on voit... Au fond, on voit des petits lapins avec des petites... Je sais pas, c'est des papillons, je pense. Elle est longue l'intro, hein. Mais, a priori, il y a un petit malheur. Les monstres n'avaient pas disparu. Ils étaient cachés sous la terre. Et c'était... Ils s'étaient multipliés comme s'ils attendaient l'heure pour refaire surface. Bon, je pense que le nom du jeu va apparaître d'ici peu. Notre histoire commence lorsque les monstres sont libérés ou sortent. Je pense que ça va être un truc comme ça. Hein. Ressurgissent. Et réaffirment leur domination. Et donc le jeu c'est... Attention, mesdames et messieurs! Ça commence par un S. Donc il se découvre peu à peu. Donc c'est Soleil. Donc voilà. Bah dis donc, il en... Ah, j'adore cette musique. Donc c'est bien, déjà, vous avez la possibilité de choisir votre prénom. Je ne sais pas quel est le nom par défaut du héros. Jeu vraiment, moi j'adore. L'histoire est juste géniale. Donc en fait on commence. Donc c'est notre anniversaire en fait. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. 14 ans, bah dis donc il est grand hein. Ah et franchement Jérémy il est génial, faut que tu le fasses hein. Même sur ton téléphone si tu veux tu le télécharges, il est juste géant. Et je crois le speedrun doit faire 2-3 heures, un truc du genre. Il est assez rapide à faire. Donc là, on peut pas donner... Ah si, on peut donner des coups d'épée. Dans la maison, déjà. Où vas-tu? Ils sont venus pour te voir. Oh, faut que je leur parle, quoi. Mais j'ai pas envie, moi. Bon anniversaire. Quelle épée superbe. J'ai aussi une épée, mais pas rouillée. La mienne est toute neuve. Ah d'accord, donc en plus, on a une épée rouillée. Je veux une épée, je ne veux pas attendre mes 14 ans. D'artifice, quelqu'un s'en va. Et franchement, il est. On n'aura pas le temps de voir tout ce qui va se passer, mais. Atorus de manière. Mais tu vois, il est. Moi, j'adore ce jeu. Alors. Jamais. Hein, t'es en train de prendre de Rafflesia. Ça fait penser à Pokémon, ça, tient bizarrement. Il est fort et courageux. Donc là. Alors. Sans. J'ai pas trop envie de. Spoiler pour l'instant. Donc là c'est notre chien ici qui est là. Donc on doit aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc sur la place, je pense c'est la place du village là. Hein. Connais-tu l'existence des médailles? Bah non. Le camp d'entraînement comprend plusieurs niveaux débutants, intermédiaires, experts. Bah peut-être qu'on va aller au camp d'entraînement. Plus tard dans le jeu, on aura la possibilité de marcher un peu plus vite hein, que là en fait.
je sais plus où est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour aller au camp d'entraînement. Je crois que le camp d'entraînement il est par là. Ah, il y a une petite pomme d'or en bas. La petite pomme d'or en fait permet d'augmenter votre vie en fait, comme on a pu le voir là. Donc là on peut donner des coups d'épée. Donc, je sais plus exactement qu'est-ce qu'on doit faire dans le jeu. Bon, on va, là vous voyez, on peut dégommer les. Là c'est un toboggan je crois, si je dis pas de bêtises. Cette place est pour les... Bien joué avec nous. Et puis les musiques sont vraiment géniales. Hein. La voyante de la place est très bien, mais n'est pas là aujourd'hui. Tiens, c'est vrai qu'il y a une voyante, mais elle est pas là. Je sais plus exactement qu'est-ce qui... Et là, en fait, il y a des taupes qui sont sorties. Tiens, c'est marrant. C'est plutôt drôle, tiens. J'ai envie de vous dire. Alors, en fait, quoi, je vais vous parler un peu du jeu. En fait, en gros, dans le jeu, en fait, vous, bah, vous incarnez donc le héros principal. Et... vous allez en fait bah, partir, vous allez faire une quête en fait. Et mais je crois que je suis ah oui, faut que j'aille Raflesia. Même cette musique là, hein. J'adore cette musique franchement. Que veux-tu, personne entre ici sans la permission du roi. Donc faut que j'aille voir le roi en fait, hein. Et le roi, bah, peut-être qu'il me donnera la permission la permission d'aller là. Ah d'accord, on passe par le bas, d'accord, super. Donc le roi, il est là-haut. Il est tout là-haut, le roi. Nous devons informer le roi que tu as atteint le 14e anniversaire. Donc là, on va rentrer et on va aller voir monsieur le roi. Bravo, Amon. Tu as fait tes preuves, voici ta récompense. D'ailleurs, ce personnage me fait penser à un autre personnage, mais bon. C'est vrai qu'il y a un truc aussi. Dans le jeu, il y a plusieurs références à d'autres jeux Sega aussi. Dont une. Alors, on va voir ce qu'il me dit. Cette épée, tu dois être né avec, ça faisait longtemps. Ton père était étrangé. Sauver le village avec son épée, quel souvenir. Tu viens m'annoncer ton 14e anniversaire, n'est-ce pas? Donc, je t'accorde. L'entrée au camp de Raflesia, travaille dur mon gars, on y va. Et donc en fait dans le jeu, il y a une plage qui s'appelle la plage Anémone. Et en fait sur cette plage Anémone, ce qui est plutôt drôle, c'est qu'il est possible de croiser, Sonic. Voilà, c'est une petite anecdote. Également, alors dans ce jeu, vous incarnez ce petit garçon. Et il y a des petits, des animaux, voilà, qui vont, il y a des animaux qui vont vous aider, en fait, dans ce jeu. Et en fait, ces animaux vont vous aider à progresser. Donc, votre premier, ah tiens, elle est là. On va. Alors, voudrais-tu augmenter ton point de santé? Non, on a pas assez d'argent. Mais ça, plus tard, en fait, vous avez la possibilité d'augmenter. Aïe! Ah, par contre, elles m'ont défoncé, les taupes, là. Bref, donc je vais aller au camp d'entraînement. Et donc, en fait, dans l'aventure, vous allez pouvoir... avoir des animaux. Alors, ces animaux vont vous suivre. Et vont vous apporter des pouvoirs spéciaux. Par exemple, en fait, vous allez voir entre guillemets tout un stock d'animal. Alors, je suis le spécialiste du lancer d'épée. Tu as de la chance pour 20 malins. Je peux t'enseigner l'art de lancer l'épée, mais j'ai pas d'argent.
là, je suppose que là, je vais faire un petit parcours. Et le petit parcours, à mon avis, il va me permettre de gagner de l'argent. Non, je connais pas le but. Le but est de passer les trois niveaux. Ah, hein, il y a un coffre qui renferme des médailles de bronze, d'argent et d'or. Donc c'est des parcours qui sont plus ou moins... Alors j'ai besoin donc de 20, mais de 20 malins, donc c'est la monnaie locale, hein, pour pouvoir lancer mon épée. Donc ça c'est une des premières particularités. Donc pour 20 pièces quoi, en gros, hein, je vais pouvoir lancer mon épée. C'est juste génial. Donc les animaux, par exemple, vous allez à un moment pouvoir... Vous pouvez équiper deux animaux à la fois. Et... Waouh. Par contre, je fais comment pour... je me suis fait avoir en fait, hein. Je me suis fait complètement avoir, hein. Donc là, par contre, il va falloir... Ah, il y a des petits trucs là, je sais pas ce que c'est. Des petites pièces encore. Donc je vais y arriver avec mon explication des animaux là, hein, à chaque fois, voilà. Donc en gros, l'animal, vous l'équipez et puis il va vous donner des pouvoirs. Vous avez par exemple un guépard qui va vous permettre d'aller plus vite. Vous allez avoir par exemple un pingouin qui va vous permettre d'avoir une épée gelée. Vous allez avoir je sais pas, un truc de feu qui va vous permettre d'avoir une épée enflammée par exemple. Ah, tiens, j'aurais dû aller en bas parce que je vais peut-être avoir des pièces du coup. Et donc voilà, c'est pour moi, ce jeu est vraiment... alors, il n'arrive pas au niveau par exemple d'un Landstalker ou d'un Link to the Past, mais il est vraiment génial. J'ai pas de... Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur ce jeu, il est vraiment top. C'est vraiment un jeu à faire. Je le recommande chaudement. Donc attention là, tac tac. Ça vous permet d'aller là, ça vous permet d'aller un peu plus vite. Donc là on fait. Ah, on peut pas aller là-haut. Ah bon? Donc on va aller là pour récupérer les pièces quand même. Enfin les malins. Je sais pas en combien d'heures on peut le faire. On y entre en y allant tranquillement. Je pense 10, 12, 15 heures peut-être. D'ailleurs, je fais. Par contre, je fais comment pour aller là-haut là ? Je sais pas, tiens. Par contre, ouais, comment je fais pour aller là-haut là ? Je sais pas. Je vais regarder là. J'adore cette musique. Elle est très, elle est ultra entraînante. Ah oui, il faut monter là-haut. Et donc là, c'est pareil. On va aller chercher le maximum de pièces, le maximum de pièces de dispo. N'hésitez pas également à me dire si vous, si quelqu'un a fait ce jeu, mais qui me donne ses impressions pour qu'on puisse tout simplement échanger, hein, parce que faire des lives c'est cool, pouvoir échanger c'est encore mieux, donc avec ses viewers. Est-ce que pareil, il y a d'autres jeux par exemple aussi, hein, parce qu'il n'y a pas, tiens, on va voir ce qu'il y a ici avant d'aller en bas, peut-être qu'il y aura un coffre, je sais pas, ou un truc spécial. Là il y a des pièces. Parce que j'ai pas envie d'aller tout de suite là-bas. Parce que j'ai pas envie de me faire avoir en fait. En plus j'ai 19 pièces. Donc c'est amplement suffisant. J'espère que je vais pas me faire avoir. Waouh. Non non. Ça c'est des guêpes qu'il faut absolument taper. Sinon elles vous font chier en fait. De telle sorte. En plus, de toute façon, vous gagnez des pièces en les tuant. Ah, parce que, mais bon, comme par hasard,
Ah! Voyez? Voilà, maintenant j'ai 20 pièces. Donc je vais pouvoir. Cela me donne envie de rallumer Miviri. Mais vas-y, je t'en prie, Jérémy, je t'en prie. Là, il y a eu un petit coup de lag, ça rame un petit peu. D'ailleurs, j'espère que je rame pas trop en fait. Hein. J'ai pas de perte d'image. Voilà. Non, ça va, j'ai zéro image perdue donc c'est bon. J'avoue que j'avais pas regardé. Franchement, même Jérémy télécharge un ému, hein, et en plus il est en français, hein. C'est vraiment un des rares. Il y en a quelques-uns, mais je traduis totalement en français. Donc c'est du bon français, hein, c'est pas du français fan, quoi. Hein. C'est une vraie version française qui est vraiment top, hein. Ah par contre, ah je me suis fait enculer. Ah non c'est bon, la médaille. Par contre, moi j'aimerais bien avoir la nouvelle technique, hein, de lancer d'épée. Bah oui, hein, j'ai l'argent. Donc maintien A et ensuite regardez comme ça et ensuite on va la lancer. Ça c'est vraiment top comme pouvoir. Par contre je sais pas est-ce qu'on est obligé d'avoir les trois. Est-ce qu'on est obligé de faire les trois épreuves niveau expert? Non, si tu sais faire le saut avec élan, donc ça on l'a pas, le saut avec l'élan, on peut pas le faire pour l'instant. Et ça, si tu sais sauter, bah voilà, on sait ni sauter, donc on est obligé de faire que la médaille de bronze. Donc là on est obligé de retourner au village et on va voir qu'est-ce qui va se passer dans ce petit village. Mais faut pas que j'oublie le live, moi, d'ailleurs, hein. Parce que franchement ce jeu là je pourrais y rester des heures. Alors on va aller voir le roi. Je sais pas, est-ce que lui va nous dire, va nous donner une petite information sur quelque chose. Enfin, voilà, et on va aller le voir pour lui dire qu'on a la médaille de bronze. Ah bah il s'en fout en fait. Ah il s'en fout totalement. Qu'on a la médaille de bronze. Donc on doit en fait juste continuer notre, on doit juste continuer notre aventure en fait. Donc on va aller voir. On va aller voir. Donc on va aller là-bas. On va retourner en fait à la sorte de petit camp d'entraînement qui est juste là. Parce que normalement en fait on doit faire un truc. Par exemple jeter son épée là c'est top. Regardez pour ça coupe tout en fait. Hein. Bon là par contre sur les pierres ça marche pas. Hein. Ça nous coupe tout, franchement c'est juste génial. Alors est-ce que... Je peux toujours pas y entrer. Bon, c'est pas bien grave. Je pensais que j'aurais pu y entrer mais non. Donc c'est à dire qu'il faut que je continue l'aventure. Donc on va aller là où on n'a pas pu aller tout à l'heure. Et ensuite on changera déjà de jeu. Ah franchement j'aimerais tellement le faire. Donc on va aller là. Et la plage dont je vous parlais tout à l'heure, elle est par là-haut. Là où on voit le Sonic. Et même cette musique là, elle est géniale. Là faut faire vachement gaffe là aux petits œufs de Yoshi là. Enfin, c'est pas des œufs de Yoshi mais bon, tout comme quoi. Ils donnent pas des pièces à chaque fois, eux. Donc on va voir, est-ce qu'on peut continuer ici. Parce que il me semble qu'on doit faire un truc dans le village avant. Mais bon,
vous avoue, je me souviens plus. Mais bon, en tout cas, bref, je vous ai parlé globalement de ce jeu, hein. Là, je peux pas non plus trop m'étendre. Je crois qu'on peut monter, non? Ouais, voilà. On peut monter par là. On pouvait aussi sauter par là. Il y avait un petit truc, on pouvait sauter. Là, faut pas aller dessus parce que ça, je crois, on meurt. Voilà. Et on va continuer notre petit périple. Ah, il commence à y avoir pas mal d'ennemis là, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va voir jusqu'où ça va nous mener. Donc c'est en ça que c'est vraiment pratique de pouvoir lancer l'épée. Je récupère la petite médaille. Il y a un petit lapin là-haut, tiens. On se demande qui c'est. Eh ben non. On peut pas lui parler, malheureusement. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va changer. On va changer de jeu. Déjà, en effet, malheureusement. Donc, on va changer de jeu. Ça va être un jeu un peu plus action. Donc, qui s'appelle... Ah, le petit Sega, j'adore. Comme quand c'était Sonic. Donc c'est développé par Ancien, voilà, j'allais le dire. Et édité par Sega. Et donc c'est un jeu, un très bon jeu d'aventure. Magnifique graphisme d'ailleurs. Je pense qu'au niveau du dessin, les dessins sont sublimes. Je trouve. Donc voilà, Ali. Donc Ali, on va incarner Ali. Alors je ne sais pas ce que vous pensez, mais les graphismes sont... Enfin, les dessins sont vraiment très beaux, hein. Donc là, il y avait le bracelet qui nous appelait. Donc du coup, on a dû mettre le bracelet. Je suis le bracelet en or. Je te confie le pouvoir qu'il confère, car tu as été élu pour mener à bien une tâche difficile. On se demande qu'est-ce qu'il va nous demander. Il existe un bracelet semblable en argent... qui a possédé l'âme d'un autre. Il conduira Oasis à sa perte si tu ne l'arrêtes pas. Les pouvoirs du bracelet en or t'appartiennent désormais. Donc du coup, on a les pouvoirs du bracelet en or. Trouve les quatre esprits régis par le bracelet en or et met un terme à l'ambition démoniaque du possesseur du bracelet en argent. Donc voilà, ça va être... C'est bien, il pose tout de suite les bases, au moins, de ce qu'on va devoir faire dans cette aventure. Donc là, je vous laisse prendre connaissance de ce qui va se passer. Et voilà. La légende de Thor. C'est marrant, le jeu est en français, mais le nom, ils l'ont mis quand même en anglais. Donc il y a, comme tout à l'heure, il y en a 4. Il y a 4 trucs. Merde. D'accord, faut faire star. Donc il y a 3 lettres. Ça c'est fait. Et donc en fait notre histoire, je crois qu'elle va commencer tout de suite là, hein. Vraiment, hein, j'insiste sur les dessins qui sont vraiment très beaux. Et même les animations, hein. Franchement, bon là aujourd'hui ça paraît moche, mais pour l'époque, je pense que c'était vraiment très réussi. Et je pense que ce jeu à l'époque était vraiment très bien noté. J'ai vu juste rapidement, bon c'est pas une référence, mais sur JV il était genre à 17 je crois, un truc comme ça.
Donc là voilà, on marche. On peut donner des coups de poignard. On peut sauter. S'accroupir en maintenant C. Et là on peut sauter. Donc déjà pas mal de coups. Qui est plutôt pas mal. En plus des coups variés, hein. Donc là. Ah, c'est pas les mêmes coups que tout à l'heure. Ah, on peut combiner pas mal de choses, hein. Et donc le A, je suppose que c'est pour parler. Ah non, c'est le B. Donc on va avancer tranquillement. Donc à gauche, on a notre barre de vie. Et une autre barre. Vous verrez plus tard qu'est-ce que c'est. Allez, quel trésor as-tu déterré aujourd'hui? Donc voilà, on est un chercheur. On a, je pense, la réputation d'être un chasseur de trésors. Ah, les gens fuient. Donc je pense qu'on va devoir se battre tout de suite, quoi. Ouais, ah ouais, quand même, hein. Les mecs, ils blaguent pas, hein. Donc le jeu est plutôt nerveux, hein. Réactif aussi. On peut même mettre des coups de pied, tiens. On peut mettre des coups de... Et franchement, il y a un... C'est assez... Oh, ça, c'est un boss, déjà. Waouh. On va essayer de se débarrasser du rat-attaque là. Waouh! Hey, il nous fait mal. Pardon. Donc là. Je me demande est-ce que je peux le battre lui en vrai. Bah oui. Je mets des bons petits coups de poignard là. Attention le petit. Le petit enfoiré qui est derrière là. En tout cas graphiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment beau. Donc voilà, on s'est débarrassé du boss. Il nous a quand même fumé la moitié de notre énergie. Ah, il y avait un cul des ennemis qui l'avait attaqué et se hâte d'aller voir son professeur. Prince Salé, ou c'est bien lui? Oh pardon, je m'égare. Tout va bien, je ne sais pas ce qu'ils étaient, où étaient leurs cibles. Peut-être ont-ils réussi à attaquer le château, vous devriez aller vous enquérir de vos proches. Donc là, il nous redonne quand même toute notre énergie qui remonte très lentement. Donc il y a un petit coffre là quand même. Ça donne de la bouffe. Donc je crois qu'on doit aller au château. Il a une dégaine assez particulière quand même, comment il marche. Eh. Ça j'aime bien, il peut donner des coups de couteau et des coups de pied. Donc on a des... On peut sauvegarder. Et même des serpents. On peut même se taper contre des serpents. Mais il nous a dit d'aller au château, je crois. Donc je vais d'abord peut-être aller au château. Je crois que c'est ce qu'il m'a dit, hein. J'avoue, je me souviens plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quoi? Tout va bien, je ne sais pas ce qu'il disait. Peut-être en direct attaqué le château, vous devriez aller vous enquérir de vos proches. Ah non, on doit aller vérifier nos proches, comment vont nos proches. Est-ce que ici c'est la sortie? Non, c'est les ennemis. Donc on va aller voir quand même comment va notre famille. Tous les gens du village, hein. Je ne peux pas sortir toute seule, j'ai trop peur. Ben t'inquiète, on va te... Hein, on va t'aider. Donc là, il y a le chien. Allez, j'ai un objet spécial aujourd'hui, viens voir. Ben, je suis là, mais il me donne pas l'objet spécial. Ah, peut-être qu'il veut le voir, finalement. Bon. Alors, hop. Ben, c'est tout. Bon, ben, je pense que c'est tout, hein. Je pense que bon, on leur a parlé. Vous voyez, la barre, elle change de côté. Ça, c'est vraiment pas mal. Le bouton de saut, en fait, sert et à s'accroupir et à sauter. C'est au niveau des mécaniques, franchement, et au niveau des mécaniques de jeu, franchement, je trouve ce jeu super. Il y a des coups variés. Franchement, je vous avoue que je l'ai pas fait en entier, hein, ce jeu. À l'époque, c'était pas moi qui avait le jeu, c'était un de mes copains de l'époque. Mais ça me donne grave envie de le faire et de voir jusqu'où peut m'emmener ou jusqu'où il peut nous emmener, quoi. Je me demande s'il nous donne des pièces, les mecs là, les vilains.
Pour l'instant, il n'y en a aucun qui m'a donné des pièces. En tout cas, même les paysages, hein, franchement, enfin, là où on est, c'est... Alors, c'est un jeu... C'est totalement différent de ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec Landstalker. Là, c'est pas une 3D isométrique. C'est totalement différent. On peut se battre avec ses pieds, avec ses poings. Génial. Il y a pas à dire, ce jeu est juste géant. Ça me donne vraiment envie de le faire, hein, clairement. Donc ça, je pense que je peux pas le défoncer. Je pense que j'aurais beau taper dessus. Vous voyez en fait la barre, elle ne descend pas d'un poil. Donc c'est que je dois très probablement avoir besoin d'un objet pour pouvoir débloquer ce truc. Donc là on va tuer le ratatac là. Là le squelette. Pour l'instant, les ennemis ne sont pas hyper forts, mais voilà, je pense que c'est que le début. Donc on verra plus tard, enfin on verra. Je pense qu'on verra tous plus tard. Vous pourrez le voir vous, hein. Moi je pense que je le ferai moi-même plus tard, et je pourrai en parler au pire dans un de mes prochains lives. Comme je vous ai dit, je pense que ce live est le dernier dédié à la Mega Drive. Parce que j'ai fait le tour. J'ai vraiment fait le tour des jeux. Sauf, dites-le moi même en retard, hein, je veux dire en replay. Est-ce que vous souhaitez voir par exemple des jeux? Alors sans forcément faire de style en particulier, hein, mais des jeux que vous aimeriez bien voir. Bon, je peux pas rentrer. Bon, je peux pas. Bon, alors c'est pas par là qu'il fallait aller, mais c'est pas bien grave. Dommage qu'on peut pas courir. Ah si, on peut courir comme ça. Ah, ça c'est top. Ah, parce que franchement, marcher lentement, ça me saoulait. Hein. Et là, on peut pas sauter par là. Non. Et pareil, le fait de courir, ça nous donne un autre coup aussi. Donc, je vous dis, vraiment hyper complet. En plus, ça donne un putain de coup. Ça donne vraiment un putain de coup quand. Ah, donc on voit que les ratatacs viennent du sol là. Bon, moi, je les appelle les ratatacs. Bon, vous m'avez compris quoi. Hein. C'est pas vraiment des ratatacs, hein, mais. Shinobi 3. Eh ben, écoute, Hassan. Il n'y a pas de problème, je pourrais le mettre dans mes jeux. Donc ce sera, si en fait vous arrivez à me citer 6 jeux, je referai un live spécial, enfin dédié à la Mega Drive. Ah d'accord, c'est là-bas qu'il fallait aller que j'aille en fait. Bon. Donc... Par contre, là, il n'y a pas de, pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de notion de level up, j'ai l'impression. Donc on gagne pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de... Donc on devait aller, comme je dis. Tu vois bien, j'ai vu des gens bizarres au village, j'étais inquiet pour toi, il n'est pas prudent. Ça, c'est vraiment pas mal, le fait de pouvoir savoir où vous devez aller, en fait. Donc là, vu qu'on, nous, on est le prince Ali, hein, donc on va... On n'est pas n'importe qui, donc on va aller au château. Donc on va aller voir comment on va, par exemple, notre père ou... Ah, tiens, il y a des petits coffres. Alors là, les objets, on les... En fait, on les ramasse. Les objets, en fait, là, on les ramasse. Mais on les utilise pas tout de suite. Ah, une arbalète. Et une épée.
Donc dans les armes, on peut utiliser l'arbalète. Ah génial! Donc Et par contre, il est vraiment top ce jeu. On a une épée. Par contre, on peut pas donner de coups en courant par contre. Vous voyez? Là on va changer. Ah par contre, ah ouais, j'en ai plus là. Ah c'est... Ah d'accord. Donc en fait, le poignard c'est infini. Et ça c'est limité à 10. Ou c'est la puissance? Non, ça doit être la puissance. On verra, on va voir. En tout cas, les armes ont l'air... Alors, ce jeu a l'air d'être juste dingue en fait. Hein. C'est extrêmement varié au niveau des armes. C'est extrêmement varié au niveau des coups. C'est, je pense que ce sera varié au niveau du bestiaire également. C'est... Sincèrement, ça annonce du lourd. Et puis, bon, vous avez vu que le jeu s'appelle La Légende de Thor. Ça n'a rien à voir avec Thor, hein. Avec Thor en fait l'Avenger là. Hein. Donc là voilà nos parents. Je pense qu'il faut qu'on aille voir nos parents. Voir si nos parents vont bien. Et après avoir vu nos parents, eh bien je pense qu'on se quittera là. Donc, comment va son père? Montre-moi ce que tu as trouvé. J'ai déjà entendu cette histoire. Si c'est vraiment le bracelet en or, il est sûrement la cause de l'attaque d'aujourd'hui. Le bracelet en or commande les esprits. Ali, tu dois trouver l'esprit qui repose dans le sanctuaire de l'eau. Donc on doit aller dans le... Ah, il nous a donné un truc. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'il nous a donné là, le daron là? Tiens, on peut voir le nombre d'ennemis aussi qu'on a tués. Ça c'est vraiment pas mal aussi. Tiens, c'est bizarre, on peut pas sauvegarder ici. Bon, il faut voir ce qu'elle dit la mère là quand même. Les livres cachés dans la pièce du fond avant de partir, leur lecture te sera précieuse. Donc elle nous a redonné toute notre vie. Comme quoi, elle a servi à quelque chose. Et sur ce, les amis, on va déjà changer. On va déjà changer de jeu, donc je vais juste faire une sauvegarde rapide. Donc c'est quoi la sauvegarde rapide? C'est F5, hein. On va faire F5 et je jouerai plus tard à ce jeu. Ah, je peux pas sauvegarder, c'est vrai. Bon, donc on change de jeu. Alors, vous allez me maudire, hein, parce que il y a encore un autre jeu avec une cinématique. Je sais pas, est-ce que je vous la fais? Non, ouais, peut-être. Alors, petite précision pour ce jeu, l'intro est assez longue quand même, mais elle est ultra, alors elle est importante, je vais vous la raconter, et ensuite on va passer au jeu. Donc c'est, ce jeu en fait c'est Shining Force 2, donc là vous voyez, il y a Slade, donc le jeu est en français, petite particularité, à la base le jeu est en anglais, mais en fait il y a une team qui s'appelle la team Final Translation et l'autre team, j'ai oublié leur nom. Donc Slade est un voleur, il va venir en fait voler deux joyaux, le joyau de lumière et le joyau de ténèbres. Et le fait qu'il vole le joyau des ténèbres et de la lumière, ça va réveiller un démon qui s'appelle Zéon. Et donc qui a envie donc de conquérir la terre. Et nous notre but, ça va être de... comment dire, ça va être de l'arrêter, tout simplement. Donc c'est Génération 9, pardon, et Final Translation qui ont traduit ce jeu donc totalement en français. Donc là il y a une petite mamie donc qui va nous demander de débuter le jeu. Donc comme d'hab, hein, donc avec à un moment, il y a des, vous pouvez faire des petits codes qui vous permettent par exemple de pouvoir renommer tous les personnages du jeu.
Parce qu'en fait, c'est un jeu d'aventure. Moi, j'appelle ça un jeu d'aventure. C'est un. Comme un jeu à la Mega Drive en plein écran sur PC. Ben, Alt-Entrée, je pense. Alt-Entrée, je pense que ça doit te permettre. Donc là, on va prendre le niveau le plus élevé. Donc c'est Arg. Donc voilà, en fait, c'est un tactical RPG. Donc c'est un jeu d'aventure. C'est un RPG. Mais c'est un tactical RPG. Donc c'est un jeu totalement différent. Donc là, en fait, on est un petit garçon et on doit aller donc à l'école. Là, il y a l'église, on s'en fout. Et voilà. Donc, alors, attendez, je regarde. Ça fait 1h11. Donc là, il y a Sarah, donc notre camarade de classe. Donc, on doit aller voir le Seigneur Astral. Donc on doit lui parler. Bonjour Newek, es-tu entré? C'est l'heure des cours. Donc là, il y a une herbe. Donc, ongle végétal. Qu'en pensiez de l'orage d'hier soir? Tu n'as rien senti de maléfique ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc en gros, hein, je vous l'ai fait rapide. Hein. Donc là, on va aller s'installer. Et notre place est à côté de Chester, je crois. Donc Chester, c'est le centaure qui est là. Et donc là, les cours vont commencer. Donc Ya n'est pas là. Non, voilà, là, Ya il est pas là. Donc on va pas l'attendre et on commence les cours. Et donc voilà, le ministre a appelé donc le Seigneur Astral. Et parce que le roi est tombé malade. Et nous, bah tout simplement, on va aller. On va aller l'aider, hein. Donc, je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour vous montrer juste le premier combat. Et après le premier combat, on changera déjà de jeu. Mais je vous montrerai peut-être ma sauvegarde, où j'en suis, parce que j'ai quasiment fini le jeu. Je vous avoue, je suis en train de faire des lives dessus. Donc, il me reste, je pense, allez, 2-3 heures de jeu max. Je pense que le dernier live, je vais essayer de faire un long live, genre de 4 heures max. Et puis voilà. Et donc là, donc comme je vous dis, heureusement que je vous ai passé l'intro, hein, parce que l'intro elle est longue. Hein. Donc on va aller rapidement voir ce qui se passe avec le roi, parce que le roi est malade. Donc le roi, ça se passe par ici. Donc là, on va voir le Seigneur Astral qui va se préoccuper du roi. Voilà. Donc là, il se passe. Je vous la fais courte, hein, il se passe plein de choses. Le roi est malade et nous, eh ben, on va aller. On va aller dans des anciennes caves pour pouvoir voir ce qui se passe. Hein, parce que des choses mystérieuses se passent dans ces anciennes caves. Donc là, il nous a regardé d'un mode vénère, lui. Le Seigneur Astral. Il avait l'air un petit peu vénère. Allez, hop, on y va. N'empêche, le vieux là, il est vénère, mais c'est pas lui qui va nous aider à nous débarrasser des vilains. Hein. Ah, par contre, c'est barre. Alors attendez, c'est bizarre. J'ai mon application. Mon application Facebook qui bug totalement. Donc, du coup, je peux pas voir ce que vous dites. Hein. Si vous dites quelque chose, hein, bien sûr. Ah, voilà, ça y est. Alors, hop. Voilà, ça y est. Je peux revoir ce que vous me dites. En tout cas, voilà, Shining Force. En fait, pour moi, vraiment mon top 3 des jeux d'aventure sur Mega Drive. Landstalker en premier, Shining Force en deuxième et Soleil en troisième, qui sont vraiment bien. Peut-être que je changerai d'avis en ayant fait la légende de Thor, qui sait. Parce que je voulais le présenter mais je l'ai pas fait. Et j'ai vraiment, au vu de ce que j'ai vu, j'ai vraiment envie de le faire.
Alors là, il y a Gizmo qui va apparaître. Donc il y a un Gizmo maléfique qui est apparu. Et donc nous, on va devoir tout simplement s'en débarrasser. Il n'y en a pas qu'un, en fait, hein. Il y en a même 7. Hein. Mais en réalité, il y en a 6. Parce qu'on va pas devoir tuer tous les gizmos. Donc comme je vous ai dit, c'est un tactical RPG. Comme vous pouvez le voir. Et le but, ça va être de les tuer. Mais on va pas y aller trop vite. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai fait un live. Donc, comme je vous dis, je fais des lives en ce moment sur ce jeu. Et quand j'ai fait mon premier live, je suis mort ici. La honte, quoi. Franchement, j'étais vraiment, mais vraiment pas fier de moi. J'ai pourtant essayé de faire attention et tout, hein, mais je suis mort. Donc là, on va y aller doucement. Oui, parce qu'il faut savoir, si le personnage principal meurt, eh ben vous mourrez. Enfin, vous, c'est terminé. Alors, j'ai pas précisé en fait au début. En fait, c'est un jeu qui est développé par Camelot Software et qui est édité par Sega, hein, bien sûr. Ce jeu est sorti en 1994 et c'est la suite du premier Shining Force, ou Shining Force, hein, ça dépend comment on le dit, qui est sorti en 1993 en Europe. Alors, on va le dire tout de suite, hein, les dates que je vous donne, c'est les dates de jeu quand les jeux sont sortis en Europe. Voilà, comme ça... Oh putain, il se protège l'enfoiré. J'aurais pu dire autre chose, hein. J'étais prêt à dire un autre mot, mais j'ai préféré garder mon calme. Hein. Donc, faut savoir... Eh, mais ça fait deux fois qu'il se protège l'enculé, hein. Voilà, je l'ai dit. Hein. Parce que c'est un enculé. Hein. Attends, c'est quoi cet RNG de dingue qu'il a, là? Donc, faut également savoir que... Il y a eu un Shining Force 3 qui est sorti, mais ce Shining Force 3 est un peu particulier dans le sens où le Shining Force 3 a été découpé en épisodes. C'est-à-dire qu'il y a eu trois épisodes. Le premier est sorti en Europe en 1998 sur Saturn, et donc ça, il n'y avait pas de problème, on pouvait l'avoir chez nous. Mais ensuite, là où c'est rageant pour nous européens, c'est que le jeu le scénario, en fait, comme je dis, c'est en trois parties. Le scénario 2 et 3 alors attendez, donc l'épisode 2 et 3 en fait, eux ne sont sortis seulement au Japon. Donc l'épisode 2, il est sorti en avril 98 et l'épisode 3 en septembre 98. Donc les Japonais ont pu avoir donc le jeu et ont pu en réalité le finir. Alors, je sais pas pourquoi ils se sont tapé un délire en fait avec ces trois. En fait, c'est pas ces trois scénarios en fait, c'est-à-dire que dans le CD2. Enfin, dans le scénario 2, vous jouiez totalement avec des personnages totalement différents, en fait. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, j'avais terminé le premier scénario. Ce que j'ai essayé de faire, j'ai téléchargé le jeu en Jap. J'ai chargé le jeu, et il demande la sauvegarde, bien sûr. Malheureusement, là où c'est rageant, c'est que ça n'a pas fonctionné avec la sauvegarde. Et ça, j'ai trouvé ça un peu malheureux en fait, que je puisse pas en fait jouer avec. Voilà, c'était un peu j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc en fait, si on veut faire le jeu, faut le faire en japonais. Donc voilà, jusqu'au jour où peut-être Sega ou Camelot Software décideront en fait de peut-être porter le jeu en français, après ça se trouve, ou au moins en anglais. Après, honnêtement, je me demande s'il n'y a pas des fans. Oh, ça doit exister. Des fans qui ont réussi à traduire tout le jeu et à faire et à patcher le jeu. Peut-être. Hein. Honnêtement, j'ai pas cherché, mais par curiosité, j'aimerais bien voir.
Est-ce que il n'y a pas des fans qui ont fait ça? Je pense que ça doit exister. Mais après, je vous avoue que c'est vrai que c'est un travail de très 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 longue haleine de quand même traduire. C'est un gros jeu quand même, rappelons-le. Hein. Alors par contre, attendez, là je suis en train de parler. Ah non, ça va. Je pensais que ils allaient m'attaquer. Ils allaient attaquer le personnage principal, mais là ça va. Ils attaquent pas le perso principal, ils attaquent les persos secondaires. Moi je suis en retrait. Donc quand même. Alors Sarah. Elle va tuer le gizmo là. Et ensuite, moi ce que je vais faire, je vais me soigner également. Parce que j'ai un ong végétal. Donc là, j'en ai même deux. Voilà, je me soigne. Et voilà. Alors honnêtement, en voyant la facilité que j'ai là à me débarrasser de ces ennemis, je me demande comment est-ce que j'ai fait pour perdre, pour me faire tuer carrément. Alors là, franchement, je devais être vraiment dans un mauvais jour. Hein. Je devais être dans un vraiment, vraiment, vraiment mauvais jour. Et là, on va être défoncé. Mais je crois que j'ai eu pas mal de malchance en fait. Genre, le mec a attaqué deux fois, il s'est protégé. Enfin, bref, c'est vraiment de la merde quoi. Mais vraiment, il a poisse quoi. Je crois que j'ai déjà gagné, hein. Voilà. Alors honnêtement, j'avoue, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je devais être mauvais ce jour-là. Pourtant, c'était le même niveau de difficulté, c'était la même chose. Un truc un peu étrange, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai gagné. Je vous avoue, je sais plus ça fait combien de temps que je suis en train de jouer au jeu. Mais comme je vous dis, j'aime bien passer genre 15-20 minutes max par jeu. Donc là, on va aller juste faire l'histoire. On va aller voir le seigneur astral qui sauve le roi. Et ensuite, on va y aller. Et ensuite, on va changer de jeu. On va mettre un autre jeu. Si vous voulez, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer. Hein. C'est Wonder Boy in Monster World. Donc, un jeu... A priori un très bon jeu d'aventure. Je l'ai malheureusement pas fait. Voilà, c'est un jeu que j'ai pas fait, donc je le connaîtrai un peu moins bien que celui-là par exemple. Ah oui, il faut qu'on monte je crois. Et on va assister à une bataille épique entre le roi et le seigneur astral. Donc là, on va voir le seigneur astral qui va utiliser un sort contre le roi et qui va normalement le libérer du mal, de l'esprit maléfique qui l'entoure. Et donc là, on va voir Gizmo, normalement, qui va sortir du corps du roi. Et le seigneur astral va s'écrouler parce que il est... disons que cette boule d'énergie lui a utilisé pas mal de force. Et vu que le seigneur astral est vieux, et ben il tombe dans les pommes. Donc voilà, le seigneur astral est tombé d'épuisement et ne s'arrive malheureusement pas. Donc on convoque les soldats, nanana, et voilà. Donc là en fait tous ces soldats vont aller dans le village, dans l'autre village, pour ils vont aller chercher le gizmo pour le tuer, tout simplement. Et donc là en fait eux, le ministre va nous demander de poursuivre notre quête. Hein. Donc là le roi va aller s'asseoir sur son trône, tout doucement, le mec prend son temps, hein, ne se dépêche pas, hein, c'est tranquille. Hein. Allez hop, vas-y que je fais des petits pas par-ci par-là. Et voilà, donc nous on va devoir aller voir un historien pour qu'il nous apprenne un peu plus sur ce qui s'est passé. Parce que vous savez, je vous ai dit, Slade a enlevé les deux pierres, la pierre de lumière, et des ténèbres. Enfin, voilà.
Donc là, je vais juste, on va juste sortir du village. Donc il y a Ya qui va nous rejoindre. Juste avant qu'on sorte, en plus hein, ce petit retardataire, là, il est là. Et donc il va poursuivre l'aventure avec nous. Donc voilà. Il a enfin rejoint notre équipe. Et on y va. Donc ensuite, il y a un nouveau combat qui va se lancer. Et c'est sur là, c'est comme ça que ça va se terminer. Sauf que moi, je vais juste vous montrer ma sauvegarde. Ma sauvegarde qui se trouve... Donc, je vous charge ma petite sauvegarde. Donc voilà. Ça, c'est... Je suis quasiment à la fin du jeu. Hein. Donc en fait, là, c'est là où on vient de commencer. Ah, il y a un nouveau combat qui va se lancer. Bon, je voulais vous montrer mon équipe. Alors. Bon, en fait, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais juste vous montrer les différents persos que j'ai. Et puis... Voilà, ça, c'est les différents persos que j'ai. On va aller là. Hop, voilà. Donc, je suis ici. Je suis au niveau... Je suis au niveau 14. Donc j'ai différents persos. Donc voilà. Donc ça, c'est le perso principal qui a bien changé. Saran est toujours la même. Chester a la même tête. Et Ya aussi. Sauf que je les ai fait évoluer dans le jeu. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Ensuite, donc on va maintenant changer de jeu. Et donc on va partir sur, sur Wonder Boy in a Monster World. Donc, jeu qui est développé par Westone et édité par Sega. Donc, date de sortie, il y a marqué 91, mais il est sorti... Enfin, 89, mais il est sorti en 91 chez nous. Donc, vous, comme vous pouvez le voir d'ores et déjà... le jeu est en 2D, donc c'est genre un peu une sorte, c'est un peu comme Alex Kidd en fait. Hein. Donc là, pour l'instant, on peut rien faire. On peut pas donner de coup d'épée. Par contre, c'est bizarre, je peux rien faire là. D'accord. Donc là, je peux donner des coups d'épée. Et je peux sauter. Donc c'est déjà deux actions qu'on a pu voir. Donc vraiment un jeu à l'ancienne, hein, à la Alex Kidd, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ça va être un jeu donc, en 2D, qui est un peu, je pense, qui est un peu spécial. Donc on appuie haut pour entrer. Donc on va voir le vieux. Donc il y a une équipe... princesse qui a été kidnappée et on doit probablement aller la sauver, hop, et puis lui ramener je sais plus quoi. Donc on a des pièces, on a des gold, les gold qui vont très certainement nous servir à acheter des choses. Graphiquement je l'aime bien, c'est un jeu un peu old school. Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'il a pas vu de visiteurs. Donc voilà, alors ta journée vient juste de commencer. Il y a un truc, j'ai pas compris qu'est-ce qui va nous aider, mais ah, donc ça, ah donc ça c'est, il fait mal lui hein. Donc ça c'est l'énergie en fait. Donc, ah, ça fait mal, il fait mal hein. On peut se blesser aussi, c'est pas mal. Les musiques sont sympathiques. Donc de toute façon on peut pas y aller, donc on doit tracer notre route. Ah, est-ce qu'on peut couler? Non, on peut pas couler. Mais en tout cas les gold ils volent hein. Est-ce que c'est parce que je les tape comme ça que ça s'en va? Ou est-ce que... Non, non, de manière générale, ils s'envolent. Hein. Donc c'est pas parce que je les tape par en dessous. Oula, le petit singe. Le petit singe a de l'énergie. Hein. Ah, des cœurs, génial.
Ah, par contre, des cœurs, on en a vraiment, mais vraiment pas beaucoup, hein. Donc on a quand même, on voit qu'on va pouvoir avoir des épées, des armures, des boucliers, des chaussures, et des items, et de la magie. Donc ce jeu s'annonce plutôt complet au niveau de l'équipement. Pour ceux qui l'ont fait, bah, ils ne pourront que confirmer. Par contre... Voilà, un jeu de plateforme sympathique que je classe dans les jeux d'aventure, puisqu'il y a quand même une progression. Donc là on a, donc en réalité un cœur nous redonne seulement un demi-cœur, hein, comme vous avez pu le voir. Et allez hop. Par contre, c'est vrai que je suis pas obligé de les... Je suis pas obligé de prendre les plateformes. C'est ça qui est un peu bizarre, tiens. Oh, il y a un putain de gros coffre. Alors, je me demande comment je fais pour l'avoir. Mais là, à mon avis, je peux pas l'avoir maintenant. Hein. À mon avis, ça m'étonnerait. Hein. Je vais voir si je peux pas le défoncer. Non, je peux pas. Donc, on l'aura plus tard. Il m'a rien donné. Ah ouais, d'accord, le mec n'est pas obligé de nous donner quelque chose en fait, hein. Petite précision, hein. Et les ennemis réapparaissent très très vite, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais comme moi. Ah putain, je suis obligé de tout recommencer. C'est rageant là, hein, par contre, hein. Mais là les sauts, ils sont à faire au millimètre, hein. C'est pas... t'as pas trop le droit à l'erreur, hein. J'ai l'impression que j'ai des vies aussi. Ah oui! Ah ouais, ça commence à se... À être un peu plus chaud, là! Putain! Ah non, d'accord, je peux... Non, en réalité, ça sert à rien. Tu peux, en vrai, aller dans l'eau, hein. Ça sert à que dalle, sinon, hein. Par contre, j'ai l'impression que je suis mort et que j'avais dû avoir des vies. Je pense qu'on doit avoir des vies dans le jeu. Je vois pas où, parce qu'à l'écran, c'est pas affiché. En vrai, c'est juste qu'on va... Ah, par contre, lui, il sert vraiment, en fait. Hein. Il faut vraiment lui sauter dessus. Eh, c'est chaud en fait en réalité, hein. Petit jeu de plateforme sympathique, mais chaud, hein. Ah merde. Mauvais timing. C'est juste question de timing. Yes, on a réussi. C'est trop bon ça. Alors là, à mon avis, ça doit être la... comment dire, l'auberge, quoi. Ouais, pour 10 gold. Non, parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà. Écoutez, là, ça fait... Oh, allez, merde, j'étais en train de regarder le temps du live. Et on va se quitter, enfin se quitter, pardon. On va lancer la dernière partie. Donc le dernier jeu. Hop. Donc on va lancer le... On va lancer le dernier jeu. Alors. On va lancer le dernier jeu. Jeu que j'ai déjà fait, mais je le lance pour une raison bien particulière. Donc, un jeu qui est développé par Delphine Software et qui est édité par US Gold. Voilà, que vous voyez là.
Donc je vais vous laisser la petite intro qui était vraiment très jolie, mais très très jolie pour l'époque. Il n'y a pas à dire. Il n'y avait rien de comparable. Donc notre héros vit dans un monde futuriste, prend une moto pour s'enfuir et il est donc poursuivi. Donc là on a vraiment une sensation de 3D quand même, hein, ici. Hein. Donc là on se fait poursuivre, on a notre moto volante et on va malheureusement se faire tirer dessus. Donc là ils essayent de nous chercher mais ils n'arrivent pas à nous retrouver, donc ils pensent qu'on est mort. Alors qu'en réalité, non. Donc voilà, on commence, c'est Flashback. Donc un jeu qui est sorti sur tellement de supports. D'ailleurs, précisons que le concepteur est français, il s'appelle Paul Cuisset. Ce jeu en fait est sorti sur plein de supports. Mega Drive, sur la Super NES, sur la 3DO, sur la PS Engine, sur l'Amiga, sur la Jaguar, et j'en oublie, même sur PC, sur DOS. Alors faut savoir, apparemment, ce qu'a dit Paul Cuisset, c'est que ce jeu était quand même développé pour être d'abord sortir pardon, sur Mega Drive. Donc voilà, je voulais un petit historique du jeu, rapide. Donc voilà, c'est juste là, voilà, maintenant on s'est écrasé, etc. Le Flashback a eu une suite qui s'appelle Fade to Black. Ou Fade to Black, je sais pas comment on dit, je pense que ça, moi je disais ça, Fade to Black, qui est sorti donc à la base sur PC en 95, puis ensuite il est sorti sur PlayStation. Donc ça reprenait vraiment le graphisme du personnage, et donc ça reprenait le graphisme du personnage et également des éléments d'intrigue et d'histoire. Ce que moi je ne savais pas, c'est quand même que un troisième volet devait sortir en fait sur GBA, et il devait être développé conjointement par Delphine Software et Adeline Software. En fait, ce sont les noms, ce sont les prénoms pardon des filles du fondateur en fait du studio. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Delphine et Adeline Software. Mais le jeu a été annulé tout simplement parce que Delphine Software a déposé le bilan. Donc voilà. Ensuite, ce jeu a eu le droit à un remake HD. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça Flashback HD, qui est sorti en 2013 pour les, on va dire, les 20 ans de la série. Voilà, pour les 20 ans de la série. Et c'était en fait développé par Vectorcell. Et Vectorcell, en fait, c'est un studio qui a été créé donc par Paul Cuisset, donc le mec qui est à l'origine de la création donc de ce jeu. Et donc ça a été édité par Ubisoft. Et petite précision, le jeu va avoir le droit à une édition spéciale 25e anniversaire. Le jeu va sortir sur Switch, donc un remaster, encore une fois. Attendez, là il y a des petites images du jeu. Donc voilà, il y a le 7 juin prochain va sortir l'édition 25e anniversaire. J'en profite pour vous faire une petite parenthèse. Le 8 juillet prochain, donc ce sera un dimanche. Il faudra savoir qu'il y a la Japan Expo qui va se tenir, je crois, du jeudi au dimanche. Avec Renegades, on va participer à une soirée qui s'appelle After Japan Expo. Donc pendant cette After Japan Expo, on pourra gagner des jeux. On pourra découvrir également la version originale de ce jeu. Il y aura des acteurs du rétro gaming, et même il y aura également des petits concerts. Donc Renegades sera à cette soirée, donc je ne sais pas est-ce que toute l'équipe sera présente, en tout cas je serai présent, John sera présent également, et puis d'autres personnes de la rédaction. Donc on vous invite à venir à cette petite soirée donc qui aura lieu le 8 juillet prochain dans un bar qui s'appelle le Namek. Donc voilà, petite parenthèse, et on va commencer le jeu. Donc on se réveille, donc les animations sont toujours très belles, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on se réveille à côté d'un cube,
Et donc le cube, bah va falloir aller le chercher. Donc le cube se trouve ici. Alors c'est un jeu un peu à la Prince of Persia, enfin au niveau du mécanisme, hein, ça se rapproche d'un Prince of Persia. Donc le cube, on va aller le prendre. Holocube. Et voilà. Donc vraiment les animations étaient belles, hein. Et donc là, le mec va nous raconter en fait que c'est lui et que en gros il s'est fait effacer la mémoire pour telle et telle raison. Donc voilà, c'est pour différentes raisons. Donc voilà, vraiment jeu qui est sorti à l'époque, qui est vraiment exceptionnel. Ça, y a pas à dire. Hein. Son, alors on peut sortir un flingue, donc tirer en bas et en haut. On peut faire des petites roulades. Quand on est comme ça, on va ranger le flingue. Et également, alors on peut courir également. Vous voyez comme ça. Et ensuite, on peut même sauter. Chose que je viens de faire. Mais c'est pas comme ça que j'aurais dû faire le saut. Donc, on va. Attends, je crois que j'ai oublié un truc à aller chercher. Alors, attends. Je crois qu'il y a un truc que je devais aller chercher et que j'ai complètement oublié. Ah non, 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 non. J'ai tout pris. J'ai pris tout ce qu'il fallait en fait, hein. J'ai rien oublié du tout. J'ai juste fait mon boulet. En réalité, j'ai juste fait mon boulet. Voilà. Voilà ce qu'il faut dire. Alors. Hop. Et donc là on va courir et ensuite sauter. Waouh! Coup de chat! Waouh! Tiens, je me demande. Tiens, j'ai vraiment eu un coup de chance. Je me demande qu'est-ce qu'il y a là-haut. Mais je pense qu'il n'y a rien. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien du tout. Donc on va descendre. Alors, on va aller chercher un caillou. Ici, là, qui va être là. Donc on va ramasser le caillou. Et donc ce caillou, on va se positionner là, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et ensuite on va le lancer. Ça va activer le truc. Et on va pouvoir descendre le FTP qui est là, là. Là, on est un peu dans la merde. Voilà. Par contre, il y a un truc qu'on a fait tomber. Il y a un truc que j'ai fait tomber. Voilà, je suis mort. C'est pas grave. Donc, bon, on va encore un petit peu. On va un petit peu jouer au jeu parce que là je me suis j'ai juste très très mal joué. Chose que j'aurais pas dû faire. Aïe! J'ai fait mon boulet. On va recommencer une partie ultra propre. On va recommencer une partie propre. Donc voilà, je vous ai montré quelques petites mécaniques dans le jeu. Et on va essayer de les appliquer au mieux cette fois-ci. Donc on va sauter, hop là! Voilà. Et là, l'autre, on va le descendre. Ah d'accord, le mec nous voit pas. Tranquille, hein? Trop fort. On va le descendre. Voilà. Donc on est juste là, on va ramasser le caillou. Donc le caillou en fait il va nous servir. Ici on va se positionner là. Hop, on va lancer le caillou. Ça va permettre d'activer en fait la petite...
Est-ce que je peux... Tiens, je vais essayer un truc que j'ai jamais essayé. Je vais essayer de courir. Et voilà, on va essayer de dézinguer ce truc-là en même temps. On va ramasser le caillou, chose qui est faite déjà. Voilà. Donc on a quand même les munitions infinies, hein. Ça, c'est une chose qui est bien. Le jeu, par contre, est vraiment très dur, hein. Je tiens à le préciser, hein. C'est pas un jeu, il est pas facile, hein. Heureusement, alors voilà, heureusement qu'on ramasse ça. Ça va nous permettre notamment d'ouvrir des portes, en fait, hein. Donc là, on va y aller tranquillement. Tout à l'heure, moi, j'ai fait mon boulet. Donc là, je pense qu'on peut rien faire à ce niveau-là. I need a fully charged magnetic cartridge. Ouais, d'accord. On va l'avoir tout à l'heure, ça. Donc là, lui, on va essayer de lui fumer sa mère aussi. Par contre, faut vraiment faire attention parce qu'on n'a pas les munitions. Enfin, on a, si, on a les munitions infinies. Mais on n'a pas la vie infinie, hein. Donc, il faut y aller. Falloir y aller doucement, hein. Moi, je prends un peu de liberté là. Je me demande, est-ce que c'est pas là qu'il faut utiliser le truc là? Si, voilà. Donc on met ce truc là et après ça va le recharger. Voilà. Et on a vu tout à l'heure qu'on avait besoin d'une carte rechargée. Donc là c'est bon. On a la carte rechargée. En fait, ce qui est dur dans ce jeu, en fait. Déjà, c'est en lui-même le jeu, mais également le fait que bah, on te dit rien, on te dit rien de ce qu'il faut faire. C'est vraiment toi qui doit bah, te démerder en fait, hein. Tu dois te démerder, tu dois. Mais comme je vous dis, les animations sont vraiment belles, hein. Voilà. Faut également éviter de... Voilà, y a... Ah, ça pue là. Non. La petite musique, j'aime pas. Hein. Je vais sortir mon gun. Je suis mort. Ah, la blague! Ah, la blague! J'ai joué sur PSU version collector avec les... Le CD de titre que j'ai toujours et que je chéris tendrement. Mais la blague! La blague! Je suis mort! Comme une merde! Ah, je suis choqué! Ah, je suis choqué la manière dont je suis mort. Pour moi, c'est une grosse... Putain, je m'attendais pas à mourir comme ça, là. Et comme je disais, ouais, donc voilà, ça c'est... C'est Animo Melody qui dit ça, donc Damien. Je pense, je vais t'appeler Damien, hein. Voilà, qui disait ça, que il a toujours sa version collector. D'ailleurs, la version collector Switch a l'air très jolie aussi, hein. Je tiens à le préciser. Voilà, comme ça on l'esquive. Par contre, on va aller quand même aller chercher. On va quand même aller chercher la pierre. Même si en vrai, la pierre elle sert à que dalle. Parce que tout à l'heure, moi ce que j'ai fait ça. J'ai sauté. Par contre, ouais, je reste choqué de la manière dont je suis mort. Par contre, lui, le mec, il est vraiment aveugle, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, hop. Voilà, je me suis baissé au bon moment. Et il est mort. Donc là, on va aller récupérer le truc qu'on a récupéré tout à l'heure. Voilà.
Merde. Par contre, bizarre, hein, il m'a mis un coup. J'étais comme ça. Il m'a mis un coup et je suis parti dans l'autre sens. C'est un peu bizarre quand même. Je pense que c'est une erreur dans la programmation. Alors, ouais, par contre, il y a un truc qui était bizarre là. J'ai pas compris. Ah putain. Je suis encore mort. Oh là là. Je pense que je suis allé. Je pense que j'ai un peu trop. J'ai un peu trop. Avancé. Alors, attendez. Voilà, donc bon, écoutez. Je pense qu'on a fait pas mal de choses. On a vu pas mal de choses. On a vu pas mal de choses ce soir. En tout cas, je suis très 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 content d'avoir fait ce live avec vous. Je pense que ouais, ça doit être. C'est très probablement le dernier live que je fais sur la Mega Drive. Hein, pas le dernier live que je fais sur Renegades, mais le dernier live que je fais sur la Mega Drive. Parce que je pense qu'on va faire le tour. Je pense que à la limite peut-être. Alors voilà, donc je pense qu'à la limite je ferai peut-être juste un dernier. Ce sera pas le dernier, ce sera l'avant-dernier. Je ferai peut-être juste une petite sélection des jeux Mega Drive qui n'ont pas forcément de thème ou de rapport entre eux pour vous faire une dernière présentation de jeu. En tout cas, merci, je vous remercie grandement d'avoir suivi ce live. Voilà, si vous êtes là, je suis très content. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Vous êtes, ça dépend des jours, vous êtes plus ou moins nombreux et ça me fait vraiment plaisir quand vous êtes là, quand il y a un maximum d'interactions. Continuez et voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.